Hein? Tu veux faire quoi? Ah, dans lui, tu touches à lui. C'est lui qui touche à toi, mais c'est toi qui touche à lui. C'est lui qui touche à toi. Bon, mais... Tu vois ça? Ah, mais qui va sortir comment? Vous l'autre à qui dit alors? Ça, tu fais ça après. Et tu le couches à toi. Comment il te fait? Tu le couches à toi. Comment? Sa femme est là, les enfants sont là. Comment lui arrive à coucher à toi? Oui, mais quand tu mets dans la main, tu souffres, tu sais quoi est ça? Qui vient? C'est toi qui vas là-haut, tu viens. Il ne faut bien parler, il vient. Tu vas où? Il dort. Il est déshabillé. Sa femme est là. Il faut qu'elle sa femme. Elle est vêtue. Elle est tape même pour te donner. Là, de tous mes messieurs. Tu fais quoi? Hein? Boissou, là, elle prend un chant de ses enfants. Comment tu as pris la chant des enfants? Comment tu fais? Tu fais comme ça, tu souris. Tu as pris la chance pour t'amener dans la voie canarie. Tu as fait comme ça. C'est ça que nous combattons la sorcellerie. Non, Divo, tu as pris chance d'envoyer. Tu as fait quoi encore? Tu n'es pas parlé entre vous. Entre lui et sa femme. Quand tu couches avec lui, il n'aime plus sa femme trop. Tu vois ça? Quand tu finis là, il n'aime plus trop sa femme. Il est fatigué. Pas ça? Après, il dort en pyjama. Viens ici. Il ne te touche plus. On va vérifier l'information. Tu la reconnais? Comment il est venu sur toi la maman? Monsieur, il dort. Je sais pas qui la voulait vérifier. 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 Je ne vois pas, mais je vois, ça ne fait rien.
quand ils mettent les choses en grève, ils le font. Tout ce que j'ai dit a été énervé. Le budget est fatigué, je suis fatigué. Laisse-moi. Demain. Ça y est, fait. Demain, demain. Demain, ça vient jamais. Fais des as. La nuit, tu n'as pas chambre encore. C'est qui du monsieur? Ça fait quoi encore? T'as pris la chambre de tes enfants. Ça fait quoi encore? Et si nous délivrons les gens? Et le bébé? Tu as vu faire quoi du bébé? Tu as voulu faire quoi du bébé? C'est pas le bébé que tu as voulu sacrifier là, tu l'as pris, tu l'as attaché là-bas. C'est pas le bébé là. C'est ce qu'ils ont demandé, tu dis, hein. C'est pas maintenant la commencer, les appels la commencer un peu. Tu m'as de finir les appels. Tu as pris le bébé, c'est ça? Tu l'as envoyé où? Pour les sorciers. Il y a une aboise, non? Les Nyaboua ont pris des heures. Son nid guéri, son nid d'été, son vieux. Et puis il monte à la sorcellerie. Bonne Seigneur. Qu'est-ce que tu veux? Donc souvent tu es garçon, souvent tu es femme. Quand tu as des bras, tu deviens garçon. Tu fais comment? Tu fais sortir du qui? Et après, tu deviens femme. C'est la sorcellerie. Comment ça se manifeste? Tu te transformes en quoi? En souris. Tu fais quoi? Je pense que tu as envie de quitter la sorcellerie. Je vous disais comme ça que la sorcellerie c'est un démon. Mais tu sais. Come on! Allez! Bientôt à Paris pour vous délivrer, vous les sorciers dans les maisons d'empêcher les gens de réussir. Vous à Paris, j'ai visité chaque maison à Paris, chaque maison de France pour vous délivrer de la sorcellerie. J'arrive très bientôt. J'arrive à Casa le 16, je serai à Casa pour délivrer chaque maison, chaque personne de l'esprit de la sorcellerie. Amen. La puissance de Dieu
te délivrer sur toi. Allez, quitte ce corps, maintenant même. Lâche-la. Esprit de sorcellerie, quitte ce corps. Quitte. Les démons commencent à se manifester. Daniel n'a pas donné toute la vie, c'est normal. Voilà, ça a commencé, c'est normal. Parce que les démons commençaient à être sérieux. Mais j'ai dit d'ici deux semaines, tu vas guérir. Donc, il faut respecter notre système. Ici, là, si elle sort d'ici, c'est qu'elle est guérie. Et elle va guérir. Parce que Jésus est puissant. Amen. Allez! Je ne viens pas voir les gens souffrir. Lâche-la. Tu la vois, maman, dans tes jolies, un petit bien. Chacun numéro, il y a mot. C'est qui va te montrer. Vous qui aimez les petites filles, tous les esprits, c'est les petites. La petite là, elle est déjà. Maman, tu as quoi? Monsieur, il y a quoi? Tu veux mon numéro? Tu as quoi, il mou? Ça y est, il a tous les mouvements. C'est qui va te montrer beurre d'avocat. Tu as mis beurre d'avocat. Feu! La puissance de Dieu! Feu sur toi! Allez! Oui, quitte! Il sort! Il est là! Elle n'a pas beaucoup de. Elle a 16 démons. Je vais les chasser. C'est pas beaucoup. C'est 16 ans. 16. Aïe, moi j'ai choisi qu'à 300, 40, 400 démons. C'est beaucoup. Allez, sors. Lâche-la. Au nom de Jésus. Lâche-la. Ça va quoi arriver, non? Oui. Voilà, bon arrivé. Bienvenue chez nous. Vous pouvez manger. Allez! Lâche-la. Libère-moi ce corps maintenant. Libère sa vie. Je te commande au nom de Jésus. Je commande au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Théophile, là. Pourquoi je l'ai chassé? Il y a un monsieur, on appelle Théophile, qui était dans notre ministère. Il n'est plus dans notre ministère. Il faut braquer la caméra. Pourquoi? Parce que les huiles, comme ici, les huiles, là. Lui, il prend l'argent des gens et puis il va acheter dans le supermarché et puis il leur livre ça. Il n'a pas besoin. Hein? Il n'a pas besoin. Vous avez compris? Non, il faut laisser Tchofi. Il y a une femme enceinte, il est venu faire sa délivrance, il couche avec la femme enceinte. Il y a trop de choses qui sont en train de régler. C'est pour ça qu'il a dit, je suis suspendu d'abord aux aéroports. Je dis, tout passe par ici d'abord. Je suis en train de mettre de l'ordre. Tout va partir d'ici. J'ai arrêté cette histoire d'huile des arocos. J'ai arrêté, pour le moment, on fait des cultes dimanche. Mais tout le service partira d'ici. D'abord d'Ivo. Parce qu'ils ne sont pas dans les conneries. Nous voulons voir Jésus-Christ se manifester. Vous n'êtes pas venu, vous n'êtes pas ici pour que les gens abusent de vous. C'est pour ça que si vous êtes ici, que quelqu'un vous drague, signalez son secrétariat. Si un responsable, quelqu'un qui se dit responsable, qui est ici, commence à vous draguer, allez, signalez ça. Vous n'êtes pas venu, vous avez déjà trop de problèmes. Pour que les gens viennent vous créer des problèmes. Lui, c'est Théophile. Il fait plus partie de notre ministère. Les choses, l'huile d'onction, c'est des choses qui sont sacrées. Donc, quelqu'un peut aller prendre dans un supermarché, ça n'a pas les mêmes effets. Pour dire, on a pris de l'huile chez le prophète et ça n'a pas marché. En tant que c'est quelqu'un à qui j'ai fait confiance, qui fait partie de notre ministère. Mais si tu ne respectes plus Dieu, c'est comme Géasi. Tu ne vas plus partir de notre ministère. Donc, je l'ai chassé. Il dit, pardon, il ne m'a pas cherché travail. Il y a travail à Blon, à Abidjan. Va chercher le travail. Allez. Sœur. Lâche-la. Si les gens vous font confiance, vous êtes avec moi, ils se disent que toi, tu sens bien, tout le monde. Mais ça veut dire quoi? La confiance, c'est mérite. Les gens font confiance, mais respectez les choses de Dieu. Si on vous confie une responsabilité de venir, vous prenez l'argent des gens, vous partez prendre, acheter de l'huile dans les supermarchés pour vendre ça aux gens.
C'est pour ça qu'il dit non, Théophile, il ne fait plus partie de mon ministère. Qui le voit ici, je le chasse. Je ne veux pas le voir où j'ai pris. Même à Zaroko ici, je l'ai chassé. C'est un diable, c'est un démon. Il a fait de la prison à cause de vol. À cause de la nappe, il a fait prison. Il a volé les gens leur argent à cause de cette histoire de 1000 dollars. Il prend l'argent déjà, plus de 50 personnes. On l'a fermé à prison à Iré. C'est moi qui l'ai. J'en ai 100 000 francs. Je l'ai fait sortir de là. Je lui ai dit attention, tu es venu dans cette église, il faut changer. Il continue. Donc il ne fait plus partie de notre ministère. Il continue de voler. Soit. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus à la délivrer? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Maintenant, on peut te regarder combien. Sinon, on va là. Tu peux montrer qui a mis le sucre dans le papa et aux gens. Ça va? Ça va? Je viens d'être délivré. Les démons de la sorcellerie. Maintenant, il y avait les scomaries en tout faire. Il a pu porter le pyjama. Ça fait mal à la femme. Ça fait mal. Amen. Amen. On dit que l'homme ne réfuse pas à la femme. Le corps de l'homme appartient à la femme. C'est vice versa. Si ton mari te réfuse ça, il faut lui demander, lui il fait ça où? Vous voyez, ça ne va pas, il faut aller chez les femmes en Angola, Pirigeois 38, S5 humains rouges, écrase. Ce n'est pas ta petite soeur. Tu mets même une femme dans la maison, elle a besoin de toi, puis tu dors, tu es en pyjama. Pirigeois 38, S5 humains rouges. C'est sec, rouge là. Si ce n'a rien, je vais pas l'envoyer ici. Amène-lui dans ses narines. Ça cause beaucoup de problèmes dans un foyer. Amen. Amen. Toi aussi, femme, le jour où monsieur a besoin de toi, il faut donner. C'est comme ça. C'est pas ta petite soeur venue donner près de toi, lui son grand frère. Amen. Si ce n'est plus bien pratiqué dans un foyer, le diable rentre. Vous détruire. Ça va? Je vais délivrer. On peut se délivrer debout. Nous allons ensemble prier. Tu vas prier demander au Seigneur de te délivrer ce soir. On dit amen. Amen. Nous prions ensemble, le Seigneur. Nous levons tous les mains. Nous levons tous les mains. Nous allons demander au Seigneur de nous délivrer. Tu vas demander la manifestation et la puissance de Dieu. Tu vas demander que Dieu te visite ce soir. Il s'est venu cette nuit. Jésus va te guérir cette nuit. Jésus va te guérir. Il faut prier. Il faut prier. Ouvre la bouche. Et prie. 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 Ouvre la bouche et prie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit vous guérit. L'Esprit de Dieu vous guérit. La puissance de Dieu vous guérit. La puissance de Dieu te touche là où tu as été. Reçois la guérison. Reçois le miracle de Dieu. Comment? Allez! Comment? Allez, feu! Le feu! Le feu! Le feu! Commence! La puissance de Dieu vous visite maintenant, la puissance de Dieu vous visite. Recevez la puissance de Dieu. Reçois la main de Dieu. Reçois la main de Dieu. La puissance de Jésus. La puissance de Jésus. Jésus vous guérit. 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 Jésus te guérit. Jésus te guérit. Maintenant, ma, recevez la puissance de Dieu. La puissance de Dieu vous visite maintenant. La puissance de Dieu vous visite. Reçois ta délivrance. Et maintenant, ma, reçois la main de Dieu. Comment? Comment?
puissance de Jésus. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Le feu. L'Esprit de Dieu vous touche maintenant. L'Esprit de Dieu vous touche maintenant. Recevez la puissance de Dieu. 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 L'Esprit de Dieu vous touche maintenant. L'Esprit de Dieu vous touche maintenant. Recevez la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit vous touche. La main de Dieu te touche. Il te touche là maintenant. Continuez de prier, la puissance de Dieu vous touche. Elle vous touche maintenant. Jésus est en train de toucher ton ventre malade. Il touche ton ventre malade. Jésus est en train de te guérir.